J'aurais besoin de votre identité, s'il vous plaît. Ça donne rien que tu filmes. Oui, bien là, présentement, je suis en train de filmer pour, parce que vous violez mes droits et je veux assurer ma défense. C'est pour pouvoir. Je bâtis présentement des preuves pour la défense. Fait que j'aurais besoin de vos noms et matricules, s'il vous plaît. Non, présentement, moi, vous êtes en train de violer mes droits. J'ai fait aucun crime. J'ai commis aucun crime. J'ai fait rien. Est-ce que tu me laisses parler? Oui. Donc, Simard 5594, Denis 5601. À partir de maintenant, tu vas mettre ta plaque d'immatriculation sur ton véhicule, sinon celui-ci va être remisé. Parce que tu contreviens à une réglementation du code de la sécurité routière de ne pas avoir apposé de plaque d'immatriculation sur ton véhicule. Si tu ne mets pas fin à l'infraction, qui a pas mis de plaque? Ben, c'est toi qui es propriétaire du véhicule. Moi, je m'appelle Nicolas, je suis un être humain, et ça, ce n'est pas un véhicule, c'est une voiture privée. Je te laisse l'opportunité. Ce n'est pas un véhicule, c'est une voiture privée. Arrête de me couper, s'il te plaît, OK? Là, je te parle. Je te laisse l'opportunité de mettre une plaque d'immatriculation. Si tu ne la mets pas, le véhicule va être remorqué. À toi de prendre la décision maintenant. Moi, je vous dis que je suis non consentant de tout ce qui se passe présentement. Ton véhicule va être remorqué. Je vais te demander de reculer du véhicule. S'il te plaît, tu es encore rendu dans la rue. Ça fait que 3 fois que je t'avertis de reculer d'aller sur le trottoir. Fait que là, si tu recules pas sur le trottoir et tu n'arrêtes pas, je t'arrête pour entrave. Tu recules du véhicule de police, tu vas sur le trottoir. J'aimerais que vous me restiez l'article 15. Je suis les pieds sur le trottoir. Ouais. J'aimerais que vous me restiez l'article 15 du code criminel, s'il vous plaît. Vous avez l'air deux personnes qui allaient en droit. J'aimerais que vous me disiez l'article 15 du code criminel. Vous le connaissez pas? Nulle personne ne peut être accusée d'une infraction ou d'une omission en vertu de ceux qui édictent les lois si ceux qui édictent les lois et appliquent les lois possèdent le pouvoir de facto, le pouvoir souverain de facto. Vous n'avez aucune légitimité pour commettre les actes que vous faites présentement. C'est un crime. Non, je suis pas Nicolas Beausoleil. Oui. Elle témoigne de votre crime présentement. Ben, tu t'occupes même pas d'elle. Fait que si tu veux qu'on appelle la DPJ parce qu'elle est tenue, puis il y a personne qui. Non, je m'en vais justement m'occuper de ma fille, mais je vous dis que je suis non consentant à tout ce qui se passe présentement et vous commettez un crime. Je vous souhaite une belle journée. Non, c'est pas à moi ça, je vous remercie. Le nom qu'il y a là-dessus, c'est pas moi. Non, je le veux même pas. Je te remercie parce que le nom qui est là-dessus, c'est même pas moi. C'est pas moi. J'aurais besoin d'un formulaire de plainte en déontologie, s'il vous plaît. OK. C'est contre quel agent? Ah, ben, j'ai pas encore. Je dois le remplir chez moi. T'as pas de pièce d'identité? Non. T'as pas de pièce d'identité? Non. Mais c'est tout, un formulaire de déontologie, mec. Tout ce que je veux, c'est un formulaire, dans le fond. Mais il y a un policier qui m'a dit que c'est un terrain privé ici. J'imagine qu'il a été mal informé. Un terrain privé? Ouais, on m'a dit que le privé. Pas sur un terrain privé, vu que c'est, la police, on sait bien que c'est public. C'est quoi le lien? Ben, dans le fond, c'est que je suis venu ici, moi je suis reporter. Je suis en train de faire un document, j'avais besoin d'image. Puis ça fait à peine 2 minutes que je suis dans le stationnement, puis on me dit que. Oui. Ben, c'est pas inscrit nulle part, hein. On m'a pas dit, c'est pas marqué nulle part que j'ai pas le droit d'être là, là. C'est un terrain public. Puis c'est pas inscrit nulle part, là. Si ça serait marqué défense de passer ou terrain privé, j'aurais pas été là. Mais là, moi, à ma connaissance, c'est un terrain public. Non, mais je suis pas en train de flâner, là. Le policier a très bien vu que je suis en train de filmer, je suis en train de faire un document. Ben, tout ce qui est visible du public, dans le fond, c'est pour raison. Notre communication va se terminer directement là, monsieur. Ils m'ont demandé de sortir. Mais je voudrais avoir un formulaire de plainte, s'il vous plaît. Ils sont où? Ils sont dans le présentoir devant? Le présentoir, où il y a plein de papiers, ça, c'est des formulaires, monsieur. OK. Vous pouvez y aller, merci. Merci beaucoup. Un sourire. Formulaire de plainte. Constat amiable. Ah, mais j'en trouve pas. Il n'y en a pas, monsieur. Allez, trouvez un. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.
Parfois, en cours, vous vous appelez Jacques Normandin, parfois Jacques-Antoine Normandin, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, Jacques-Antoine Lagacé Normandin. C'est quoi votre nom? Mon nom d'être humain, c'est un nom de baptisé. C'est ce qui est dans l'acte, dans l'extrait de baptême de la paroisse. Donc, mon nom à moi, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine. C'est tout. Ça, c'est un nom qui se trouve à être un nom d'être humain. Vos droits civils en matière commerciale, automatiquement, c'est les juges qui ont raison. C'est les avocats qui ont raison. C'est eux qui décident. C'est pas possible que des gens comme ça puissent avoir une telle domination sur nous qui sommes de bonne foi. C'est là. Désolé, je filme juste pour assurer mon éventuelle défense au cas où il y aurait eu un abus de pouvoir ou quoi que ce soit. Fait que là, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe présentement. Pourquoi la raison est-ce que vous m'arrêtez? Vous répétez pour une troisième fois, monsieur? Non, c'est la deuxième fois présentement, mais... Pourquoi vous dites? Votre permis, matriculation de l'assurance. Est-ce que... Vous consommez quelque chose ce soir? Non, mais je vais juste me lever, je m'en vais travailler, mais je voulais savoir... Vous demandez vos documents encore une fois, s'il vous plaît. Je voulais savoir, est-ce que c'est obligé pour moi de fournir des documents quelconques? Oui, monsieur. Pouvez-vous me donner un texte de loi, quelque chose, qui m'oblige envers vous? Une infraction par rapport à ça, monsieur, oui. Si vous refusez de me donner votre permis, si vous refusez de me donner vos documents, je peux vous mettre un constat d'infraction. Si vous refusez de vous inscrire, je peux vous arrêter en vertu du CPP, OK? Fait que là, ça fait déjà 4 fois que je vous le demande. Parce que moi, j'aimerais savoir... Hey, wow, on se calme les nerfs un petit peu. On sort la matraque puis tout en plus, hey! Je suis en train de sortir des papiers, moi. Calmez-vous un petit peu. Hey! J'ai un papier pour vous ici. Le papier en question. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction en ce qui concerne un acte ou une omission conforme aux lois pour le moment fait en exécution par des personnes qui détiennent de facto le pouvoir souverain dans et sur les lieux où l'acte ou l'omission est commis. Article 15 du Code criminel, obéissance aux lois de facto. Je vous donne ce document-là. Je vous donne ce document-là pour commencer. Je veux pas ça. Je veux votre permis, immatriculation et l'assurance. Je suis désolé. C'est pas une question de s'ostiner, c'est un ordre. Un ordre, je suis désolé, mais moi, je suis pas. Vous pouvez pas vous identifier, monsieur? Je m'appelle Nicolas. Je m'appelle Nicolas. Bonjour. Okay. Je suis un être humain. C'est possible qu'on se parle. Oui, on sait que tu représentes Nicolas Beausoleil de ta personne. Non. Ton permis de conduire, ton assurance, ton matriculation. Oh, tu sais. T'as expliqué, là, t'es dans l'obligation de le fournir. Mais j'aimerais qu'on me fournisse une preuve que je suis dans l'obligation de fournir. Hey, on se calme un petit peu, mon ami. Ça fait à peu près 25 minutes qu'on est là. Ouais, moi j'en ai des preuves d'identité, je peux vous fournir, j'ai pas de problème. Vous les donnez pas? Ben j'en ai ici, c'est pour ça. Vous allez rester là, ça sera pas bien longtemps. J'en ai des preuves d'identité, je vous les fournis, là. Hey, mon ami! Ouais, mais j'ai des documents pour vous que je vous donne. Non, tu me donnes pas ça. C'est un contrat. Puis ici, c'est mon tarif. Puis ici, c'est combien ça va vous coûter pour ce qui se passe. Je rentre chez vous. C'est assermenté devant le commissaire à l'assermentation. Je t'ai dit, là. Je vous remercie. Si tu reviens ici, bonne journée. Pour rentrer. C'est pour vous. Prenez le temps d'en prendre conscience. C'est des voleurs. Commettez un crime présentement. Viens t'en donne. Le petit coq numéro 1. Ils ont pas aimé ma plaque. C'est où vous l'emmenez? Vous allez me dire ça? Oui.
Ils ont pas aimé ma plaque de souverain. C'est qui le souverain légitime ici? Ils ont aucune preuve de souveraineté, rien pantoute. C'est moi le souverain. Ils ont aucune preuve de souveraineté. Ouais, c'est vous. Trouvez-vous que ça a du sens ce que vous faites présentement? Vous êtes en train de commettre un crime présentement. Je vous remercie. Vous êtes en train de terroriser un enfant, bande de tortionnaires. Tu feras une belle prière pour te faire pardonner. C'est pas à moi, il faut que tu rendes. Pas à moi, il faut que tu fasses pardonner, c'est à lui en haut. Tu régleras tes comptes avec.